Vous le connaissez tous, il nous vient d'Angoulême, on n'a plus besoin de le présenter. Didier Lorigny, voilà, si vous voulez l'applaudir, merci. Merci, merci, c'est très gentil. Je suis venu sur le territoire, en fait, hier soir, et il m'est arrivé un truc incroyable, c'est que j'avais rendez-vous avec quelqu'un et on a un petit peu bu. Bon, ça peut arriver, hein. On a un petit peu bu et j'arrive, on repart après avoir bu, quoi, et je me rendais à l'adresse à laquelle je devais aller dormir. Et donc, il y a un... Je me fais arrêter par les gendarmes, contrôle d'alcoolémie. Alors je baisse ma vitre et le gars me dit, contrôle. Je dis, écoutez, monsieur l'agent, honnêtement, j'ai un peu bu, je reconnais. C'est pas la peine de me faire souffler devant le truc, j'ai un petit peu bu. Ça va marquer, c'est positif. Si on peut s'arranger, j'habite pas très loin. Je sors mon portefeuille, je lui dis, je sais que ça se fait pas, mais. Et je lui donne un billet de 50 euros, je lui dis, est-ce qu'on peut s'arranger comme ça, vous me laissez partir, s'il vous plaît? Parce que demain, il faut que je joue à Cousex. Et le gars regarde à droite, à gauche, 50 euros, c'est quand même quelque chose. Il le prend, il me laisse repartir. T'es content de moi, je repars tout doucement, et je me refais arrêter. Vous n'allez pas le croire, contrôle de l'alcoolémie. Il faut que je rebaisse ma vitre. Le gars me fait, écoutez, monsieur l'agent, j'ai un petit peu bu. J'habite pas très loin, je vous promets, je vais doucement. Je sors mon portefeuille, si je vous donne 50 euros, est-ce qu'on peut s'arranger? Le gars ne voulait pas trop au départ, et puis il s'est dit quand même 50 euros, il a fini par les prendre. Je repars, j'étais super content, je me refais arrêter. On dit jamais 203. Troisième fois, je me refais arrêter. Et là, le gars me dit, contrôle de l'alcoolémie. Je lui dis, écoutez, il y a deux de vos collègues qui m'ont déjà arrêté, ça s'est bien passé. Je lui dis, ils ont pris un petit peu, et je roule mon portefeuille, je ressors un billet de 50 euros. Le gars dit, non, je veux 100 euros. Je lui dis, pourquoi 100 euros? Il me dit, parce que moi, pour ce prix-là, je vais vous expliquer comment sortir du rond-point. Bon, alors Axel, je te donne ce jeu. Tu vas, s'il te plaît, couper vers environ vers la moitié du jeu. Tu regardes la carte et tu remets le jeu en place. Très bien, tu égalises. Gardez-les, on les enlèvera après. Tu coupes le jeu en deux, pour faire vers le milieu, et tu fais un mélange en queue d'aron. Tu veux un cadeau? Alors tu coupes le jeu, tu rétablis la coupe, tu recoupes, tu fais un mélange en queue d'aron. Tu recoupes le jeu, tu complètes la coupe, tu tournes le jeu vers toi, de façon à... tu cherches la carte que tu as choisie. Et tu coupes le jeu de façon à ce qu'elle soit... Voilà. C'est bon? Tu la prends et tu la mets n'importe où dans le jeu. Tu recoupes le jeu, n'importe où. Et je reprends le jeu. Est-ce que tu veux bien, Axel, maintenant, nommer la carte que tu as choisie? 8 de carreau. Je te laisse regarder. Bravo Didier. C'est incroyable. Tu vas bien baisser.